Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de The Witcher NS édition sur PC. On en est à la 11e session. Dans la session précédente, session un petit peu plus longue car session du week-end, nous avons eu l'occasion de... Pourquoi le jeu est en anglais? Je viens de me rendre compte. Quelle est cette sorcellerie? Est-ce que mes options ont sauté? Il y a eu une espèce de mise à jour un petit peu chelou qui s'est passée automatiquement. On a eu l'occasion de faire des trucs, je vous renvoie à cette autre session pendant qu'on essaye tout simplement de rendre les choses meilleures. OTS, son, est-ce que c'est dans le son? Non, est-ce qu'il faut que je revienne? Bah, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on revienne dans le menu principal, heureusement que ça charge rapidement. Pour changer la langue? Quelle est cette sorcellerie? Sous-titres, on veut des sous-titres en français, on veut les voix en français aussi. Hop. Voilà, ça c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont fait qui sauvegarde automatique? Non. J'étais un peu surpris déjà de voir qu'il y avait un téléchargement fait par GOG Galaxy sur le premier Witcher. Je sais pas si c'est vraiment une histoire de mise à jour ou... parce que j'ai du mal à croire que The Witcher soit mis à jour maintenant, pour une raison X ou Y. Mais après, peut-être qu'avec les nouvelles cartes et autres, il y a eu des besoins d'adaptation ou je sais pas quoi. Ou alors c'est un process automatique qui a foutu le bouclon. Les sous-titres sont affichés, ça c'est bien. Vu à la troisième personne, on est bon. Bon, j'ai l'impression que le reste est bon. Si jamais on a un souci, on... Pardon, hop, on va faire ça comme ça. On reviendra du côté des options, voire du main menu si nécessaire. Comme dit, on a l'avantage d'avoir un jeu qui charge vite. Avec les configurations d'aujourd'hui, donc autant en profiter. Est-ce que j'avais équipé une quête? Je crois qu'on avait plusieurs quêtes en cours, chose plutôt courante dans ce type de jeu, et que là, je voulais commencer par une quête assez légère avec une sorte de lutte ou un truc comme ça. Ouais, on a la masse de contrats aussi. Je crois que je suis ruiné hein, maintenant, mais que j'ai acheté plein de bouquins sur le bestiaire. Qu'on a passé genre quasiment toute la dernière vidéo de la dernière session à lire le bestiaire. Le lutte de Jasquier. Donc voilà les faits, Jasquier a encore troussé une fille, et maintenant son père sort sa hache dès qu'il voit le barde. Il faudra que je sois prudent quand j'entrerai chez lui. Il faudra que je sois prudent quand j'entrerai dans la maison du père en colère. La maison en question est pas très loin. Apparemment plutôt par ici. Ouais. Ah, j'ai toujours le bon raccourci au niveau de la touche, donc c'est que la langue hein, qui a fait nimp. On va choper ça. Alors, est-ce que c'est là? J'ai l'impression, hein, c'est la porte ici. J'attends mon bien-aimé. D'accord. Quand se décideront-ils à ouvrir? Est-ce que je peux passer par l'escalier là? Je vais dire que c'est un mur invisible, mais finalement, c'est bien un mur invisible. Bon, peut-être que le marchand est justement en train de vendre des trucs. Non, le marchand ne fait strictement rien de sa journée. Que voulez-vous? Laissez ma fille tranquille. Et comment il sait que je suis au courant pour Jasquier? Je suis venu pour le lutte de mon ami. Je ne veux rien de votre fille. Vous devez aller me prendre. Tiens, prends ta tuile, mec. Appelons ça une compensation pour la douleur et la souffrance. Je suis... est dans une malle, à l'étage. Très bien. Je suis à moitié ruiné, mais maintenant on a plein d'objets qu'on peut revendre. Donc je pense que j'ai réussi à me refaire au bout d'un moment, quoi, tout simplement. Genre par exemple... Ah non, c'est nouveau une torche. Silex, on est bien par contre. Faut que je vende ma torche parce qu'à chaque fois j'ai un manque à gagner sur ce que je pourrais récupérer chez les gens. Appelons ça le lutte. Oui, dans une malle à l'étage, oui, tout à fait. Bon, je vais aller la chercher parce qu'il a l'air de réagir un peu comme la mamie en dessous de chez Shani, autrement dit, mal. Oh non, mais elle aussi, faut que je la paye, c'est ça? Comment ça se passe? Qui êtes-vous? Geralt de Rive, sorceleur. Désolé pour cette intrusion. Vous êtes pardonné? Je m'ennuie terriblement. Depuis que papa a attrapé Jasquier, le troubadour, personne ne me rend plus visite. Oh bah super, belle vie. Je suis là pour ça. Il aurait pu venir lui-même. Enfin, c'est peut-être mieux comme ça. Quoi? Non, moi je voulais dire, j'étais là pour le lutte. Je suis ici pour le lutte. J'avais compris. Depuis que mon père nous a... Oh, il est désespéré. Il n'a plus rejoué la sérénade sous mes fenêtres. Au fait, j'espère que vous n'avez pas brutalisé papa. Non, je lui file la thune. Il va bien. Pourquoi devrais-je vous donner le lutte? Après tout, Jasquier ne viendra plus me voir. Il est comme ça.
Si je vous le donne, il ira chanter la sérénade à une autre victime. Que vous l'ayez quitté pourrait, ainsi que votre tempérament, la beauté de votre âme brille plus encore que le rose de vos joues. Je sais pas, est-ce que on part sur le fait d'essayer d'avoir une pensée rationnelle de. Tu coupes les ponts? Ou est-ce qu'on joue sur les émotions et on est plus dans l'idée de la brosser dans le sens du poil en se disant. En se disant qu'elle nous trouve pas mal. Ah, je pense qu'elle s'emmerde. Vous prouverez ainsi que votre tempérament. On va passer là-dessus. Brille plus si elle s'est faite avoir avec Jaskier, elle peut se faire avoir avec Gérald. Ne me flattez pas. Je suis humiliée, mais pas stupide. Le poète okay, désolé. Vis-à-vis de moi comme d'une femelle en rute. Regarde. Je veux me venger. Qu'il ressente ce par quoi je passe. Bah, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Ça paraît difficile, rendez-moi son lutte pour qu'il n'ait plus rien pour vous. Bah du coup, on va tenter plutôt ça. Rendez-lui son lutte. Ça prouvera qu'il n'est plus rien pour J'avais vous. J'avais mal assessé de la situation au début. Oui, il s'est jeté à mes pieds. Il m'a demandé un mariage, mais j'ai refusé. Non mais elle se fait un film dans sa tête là par contre, non? Ou c'est vraiment ce qui s'est passé? Oui, voilà. Mais laissons-la se faire un film dans sa tête, maintenant, on s'en fout. Je peux récupérer le luth. Un instant. Qui gagnez-vous? Pourquoi est-ce que vous l'aidez? C'est mon ami. Un ami? Venez par là. Pardon. Elle est en mode, si je peux me faire son ami. Alors là, là, il l'aura mauvaise. Alors qu'ils sont bas les steaks, hein. Bon, on veut le luth. On va la laisser nous utiliser. Un léger fourmillement. Et avec un peu de chance, ça sera trop épuisé, mais on prendra l'objet, et puis voilà, basta. Est-ce qu'on a gagné? Donnez-moi cet instrument, bon sang. C'est bon. Alors, Pandry. Citadine. Le luth de Jaskier. J'aurais cherché le luth dans la chambre de cette demoiselle. Réconfort du soldat. Bon, un vieux poisson. À la malle. Yes. J'ai le luth. Je dois me rendre au nouveau Narakor, qui est le nom de la taverne, pour filer le luth. La vodka, c'est cool. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça, c'est l'escalier. Ça, alors. Pouh. Ça alors? Bon bah ça s'est bien passé. Y a pas un vendeur d'armure qui... Ils sont tous à l'autre bout de la terre là. Plante inconnue, mince. Je veux quelqu'un pour racheter ma... Ouais mon gars. Ah, armurier là. Toi tu vas racheter ma petite voilà. Exactement. Ma torche. Ça fait quand même 40 balles. La pluie tombe dru. Ça je pourrais en récupérer une à l'occasion. Je peux la récupérer chez le marchand, j'ai la flemme qui me reparle. C'est de pire en pire. Mais petit à petit, hein, avec les 30 balles, les 40 balles, les 20 balles parfois, ça nous fait quelques centaines supplémentaires pour pouvoir aller un peu plus vite dans les quêtes, c'est cool. Ah, mais il y a Talar ici aussi. Énorme. Gérald ? Voilà ton lutte. Ton lutte. Le concert peut avoir lieu. Merci. Ton concert, c'est quand ? Vers 8h ce soir. Passe si tu veux. Si je peux. Quête terminée, le luth de Jaskier. Je suis invité au concert de Jaskier à 8h. Je crois que j'y pense. On va parler avec Talar d'abord, parce que je crois que j'ai une quête avec lui aussi. Comme on se retrouve. Oui. Merci de m'avoir sauvé. Je ne crois pas que c'était une bonne idée d'hériter de Wet. À condition de vouloir le bien de la Téméria. Comment ça?
Quelque chose se prépare. Je ne suis qu'un simple sorceleur. Avant son départ, le roi m'a confié Vizima, tu comprends? En mon absence, je vous confie... Concentre-toi sur le sceau du roi et sur sa signature. Elle n'est pas sur les autres décrets. On peut toujours voler un sceau, mais c'est difficile d'imiter une signature. Les décrets royaux sont des faux. Exactement. Priorité de Foltest paraît chancelante. J'ai hâte de retourner vaquer à mes occupations. Ah ça, Gérald et la politique. Je suis furieuse. Rien ne va plus. Y a quelqu'un d'autre d'important? Non, j'ai pas l'impression. Juste faible. Est-ce que je me ferais pas un petit peu de tunas? Tu veux prendre... Je crois que ça donne pas grand chose, mais peut-être qu'ici ça donne plus. 10 balles. On va proposer 20 balles. On verra. Allez. Pour 20 balles. Pas grand chose, mais. C'est une moitié de torche. Pas de grid et ça passe tranquille. En plus, nous, je crois qu'on a un truc pour le combat au... à main nue ou un truc du genre, donc on est bien. Allez, paf, 20 balles. Tu gagnes. Alors, personne. 20. J'en suis. Allez, 25. Ah, mais il y a une, genre des quêtes autour des, du gros Fred et tout, si j'avais su. Parce que ça file de l'XP, quoi. Allez, pouf! Ça nous fera de l'XP en plus de 25 balles. Voilà, on a gagné un peu plus qu'une torche. Là. Nice. Enfin, que la vente d'une torche, hein, parce qu'après, acheter une torche, ça coûte 200 balles, les amis. 200 balles pour un bout de bâton en feu. Merci bien. Tu gagnes. Et ma récompense. Fais ton choix. Deux flasques de Nuol Extra et un amuse-gueule en accompagnement. Un anneau ou de l'argent? L'or. 100 orins. Ah! Ah, ça file largement plus en fait. Oh, mais c'est énorme. C'est énorme, ok, d'accord. Oh, j'aurais dû faire ça. Il y a des millions d'années. Salut, est-ce que puis-je. J'ai besoin de. Oui. On fait ça, il a dit que c'était à 8h son concert. Ah, ça donne une autre. Je pense que c'est ça, parce que si ça c'est minuit. On va voir si ça nous donne une quête. Yes. Je ne voudrais pas avoir affaire à vos plaies. Ah ça. Je m'échauffe la voix. J'ai l'impression qu'on a payé pour pas en jouer. Maître Jasquier, oh Jasquier. J'aurais bien besoin d'une vodka. Mais je peux pas partir. Je suis emprisonné. Ils m'ont emprisonné. Je suis obligé de. Bah, en fait, je peux rien faire. Je suis niqué. Ah non, c'est bon, je suis passé entre. C'est dur. Oh, il n'y a plus le gros Fred, du coup. Ok. Noblesse oblige. Citadin riche. Je suis à bout de patience. D'accord. Ok, c'était cool. Les hommes du roi, l'autorité de Foltest paraît chancelante, ok. On peut pas en faire grand chose pour le moment.
Ah oui, c'est vrai qu'on a deux camps de la salamandre atomisée. Apparemment, c'est les seules quêtes qu'on peut suivre. Oh, bon. La Varden m'a demandé de mener une enquête dans les marais. Je dois contacter Vaska, le chef des briquetiers. Elle pourrait avoir de précieux renseignements. Allons-y. Faisons ça. Donc on va aller vers la chambre de Triss. Enfin, la maison de Triss. On va voir la téléportation vers le tour du marais. Remarque, je me dis... Ça nous fait payer un petit peu. Et quelque chose qui prendrait peut-être un peu moins de temps, c'est de... Au lieu de traverser tout le marais avec les monstres et tout. Alors quoique ça nous permettrait de voir si les monstres ont changé dans le marais aussi. Ouais non, faisons ça. Parce que le village de... De Jeannette là, qu'on doit aller voir, est pas loin de l'endroit où on embarque avec le... Avec le passeur. Mais il faut passer par l'autre... L'autre... comment dire... Quartier. Donc se téléporter vers le quartier, puis changer, et ainsi de suite. Triss est pas chez elle. Bon, heureusement, on n'a pas besoin d'elle pour le portail. Tour des marais. On va voir, est-ce qu'il y a des changements dans les monstres? Ou pas? Parce que au niveau de mes contrats... Oh la vache, le son. Cocatrix, Ghoul, Graveur... Kikimor, Viverne... Echinop, peut-être qu'on va... Ah non, c'est Echinopyr! Oh, Echinopyr, c'est terrible. Echinopyr, c'est tellement fort. Je l'ai bel et bien dans mon truc aussi. Bestia. Echinopyr. Oui, je l'ai aussi. Après, Echinopyr, ça file aussi un... Ça file aussi un... Comment dire? Un trophée. On peut filer à Vincent en maïs, là. Ce qui est plutôt pas mal. Enfin, un petit F5. En avant. Ah maintenant il y a des Kikimor ouvrières à la place des noyeurs de base, il y a des noyadés toujours. Ok, bon, on va pouvoir faire les quêtes sur les Kikimor. Kikimor qui font quand même pas mal de dégâts, hein, donc le jeu est devenu plus dur. Si je regarde d'ailleurs au niveau du bestiaire, les Kikimor... Alors... Point faible, argent et huile contre les insectoïdes. Renversement pour les ouvrières. Argent et huile contre les insectoïdes, toujours. Ok. Et après, il n'y a pas de... Oui. Ouais... Et quoi, ils disent pas... insensible à l'aveuglement et l'hémorragique. Ils disent pas de... d'utiliser un style en particulier. Ok. Il y a même des millions là. Ah, j'ai les deux. Oh, énorme. Je les ai tous détruits. Alors, tac, c'est par là-bas que je veux aller. Alors, je passe un petit peu par le nord. Pas de soucis. Oh, il sort du sol et tout, vous êtes dégueulasse. Oh! Oui, d'accord, ça, c'est une guerrière, ça, c'est un exemple. Un exemple de guerrière, c'est dégueulasse. Je vais prendre ça, je pense. Et peut-être plutôt le puissant, du coup. Ah, il fait douleur. Oh, mais il fait trop mal! Je vais mourir. Je vais juste mourir. Oh non! Il me rattrape, mais tellement vite. Oh! Ok, bonne ambiance.
J'aurais dû save après chaque combat, du coup, maintenant. Ok, Kiki mort guerrière, ça rigole zéro. Après, je sais pas à quel point il y en a beaucoup, des guerrières, mais ça fait peur. Parce que les ouvrières, j'avais un petit peu peur, je vous avoue, parce que c'était assez impressionnant quand on était dans la ville, mais là, on les a atomisées très très vite.